Hey, salut à tous, c'est Killer15. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tuto donc sur tout ce qui est enchant et alchimie, hein, donc toutes les potions. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, niveau enchant, alors déjà trouvons la table d'enchant, elle est là, pas 64, j'ai que deux. Oula, qu'est-ce que je fais, hein? Je suis rouillé. Une autre ville, on va prendre une épée. Hop. Je vais pas tout de suite la prendre, c'est chiant ça. Hop, hop, hop. Bon, donc commençons tout de suite alors. Niveau de la table d'enchant, donc quand vous enchantez. Bon, là je suis en 1.8, donc quand vous êtes en au-dessus de la 1.8, donc à partir de la 1.8 quoi. Il vous faut du lapis lazuli. Lapis lazuli qui vous servira quand vous en aurez. Par exemple, 3, quand vous devez mettre à chaque fois 3 lapis lazuli, comme ça vous avez les 3 niveaux d'enchant. Alors si jamais vous avez votre barre d'enchant là en dessous, quoi, normalement, c'est... donc normalement, vous regardez en fonction de vos enchants et dès que vous voulez enchanter, si vous avez vos 6 levels, vous pouvez enchanter le dernier. Mais ça ne vous coûtera que 3 levels. Donc là, et imaginons je vais me mettre en game mode. Non, je vais prendre. Hop, on va prendre des popos de. Où est-ce qu'elles sont celles-là? Je ne sais jamais où elles sont. Ah, elles sont là. Hop, on va prendre ça. Je vais faire juste sur l'épée pour vous montrer. Game mode. Merde. Game mode. Putain. C'est quoi celle-là? Ok, d'accord. Je veux pas me mettre, enculé. J'avais mis on, mais bon. J'en fous. Non. J'ai pas mis Startland on. Voilà donc. Vous mettez votre barre d'épée, hein, vous prenez 6 levels, bon moi je prends 7 levels, donc vous mettez l'épée, votre 3 de lapis. Ah bon, là j'en ai mis qu'un, donc je peux avoir que le premier enchant, mais quand vous en mettez 3, par exemple là, ça vous dit que ça coûte, enfin qu'il vous faut 2 levels pour avoir l'enchantement imbriquant sur votre épée, donc qui est solidité 1, donc, mais ça ne vous coûtera que 1 XP, regardez sur ma barre, hein. Hop, quand je fais, ça m'a coûté que 1 XP. Donc voilà, donc après vous avez tous les enchants. En plus, j'ai eu Smitant, donc c'est parfait. Alors, l'Anvil. Donc, pour l'Anvil, ça c'est en fonction de, par exemple, merde, j'ai pas pris de la pisse. Hop. Bon, je repasse en normal, quoi. Du coup, j'ai pas besoin de la piste. Donc, pour enchanter, vous prenez soit vous prenez des livres. Donc, par exemple, looting 3 pour votre épée. Hop, vous mettez d'abord l'épée, puis le livre, et puis ça vous donnera l'épée. Donc, Smite 1 Break 1 avec le livre looting 3. Donc, vous aurez votre petite épée qui va looter beaucoup mieux. Vous pouvez faire ça, donc bien sûr, avec, par exemple, je ne sais pas si je pourrais les avoir là. Non, je vais vous montrer. Où sont les livres? Je ne sais jamais où ils sont tous, bordel. On va en prendre deux. Ouais, mais j'aurais peut-être pas assez. Non. On va en prendre plein. Hop. Donc sort protection 1, on va faire deux protections s'il y a, on sort place 1, tant pis. Efficiency 1, putain c'est chiant, donne moi un enchantement. Ben voilà, on va prendre efficiency 1. Du coup on a deux efficiency, vous les mettez dans la table de craft, enfin dans l'enclume, et donc ça vous fait un efficiency 2. Donc. Voilà pour tout ce qui est parti
comment on dit, pour tout ce qui est parti enchantement. Maintenant passons à tout ce qui est parti pas comment on supprime tout l'inventaire hein. Bon, on va bouger ça, hop. Et donc pour l'alchimie, donc vous faites un brewing stand, donc un stand d'alchimie quoi. Je connais pas vraiment les noms français parce que c'est toujours en anglais hein, comme vous le voyez. Où est-ce qu'il est rangé ce truc? Ah là bas donc le brewing stand, vous pouvez prendre des carottes. Alors je vais vous dire à peu près tous les effets que ça a. Bon, pour le, sauf pour le fermented spider eye, je sais pas vraiment aussi. Ça je pense que c'est des potions de poison. Hop, on prend ça aussi. Et j'ai tout ça, ça c'est pour du jump boost 2, enfin du pour du jump boost. Hop, donc commençons. Alors donc il vous faut bien sûr des bouteilles. Hop, je peux pas en prendre 64. Oh, ça va être chiant ça. Bon, bougeons tout ça. Enfin, vous allez vite comprendre le principe hein. C'est pas très compliqué. Bon, on va en prendre 3, enfin, encore une. Hop, on va prendre un peu de redstone et de la glowstone. Comme ça, je vous montre les deux effets qu'on peut faire après avoir enchanté les potions. La glowstone est là. Donc, vous mettez au début, vous mettez vos bouteilles d'eau. Hein. Puis vous mettez une nether wart, donc ou verrue du nether, qui va donc transformer les water bottles en des potions de quart de. Donc donc on pourra ensuite mettre les enchants. Donc je vais faire avec le clustering melon. Hop, donc on met. Donc ça va être des potions d'instant heal. Alors bon, on va attendre que ça se fasse, mais je vais dire en attendant tous les effets des autres potions. Donc avec une magma cream, on fait des potions de résistance au feu. Avec les golden carottes, des potions de résistance. Non, des potions d'invisibilité. Avec des blaze powder, des potions de force. Avec des jambes de lapin, on fait des potions de saut. Et avec comment ça s'appelle encore? Les larmes de ghast, on fait des potions de je ne me souviens plus. Avec ça on fait des potions de 2 l'arme de gaz, c'est potion. Ah bah j'ai complètement un blocage. Bon, c'est pas grave, on retrouvera ça. Donc après vous avez vos 3 infantiles, donc soit vous mettez de la glowstone. Hop qui va donc les rendre plus longues. Bon, moi je suis en créatif, donc on voit pas pour l'instant le temps que ça a de dedans quoi. Mais ça va les rendre plus longues. Non. Je suis bête. Ça les rend plus fortes. Et avec la redstone, ça va les prolonger. Donc on va reprendre des potions. Donc des potions de heal, hein, normal. Hop. Une troisième. Instant heal. Merde. Ah, je suis bête, j'ai pris deux fois des heals 2. Hop, heal. On va bouger ça. Heal. Hop, donc, heal. Donc voilà, et si vous mettez de la redstone, ben, ça va vous les allonger. Hein, mais bon, ici, ça fonctionne pas parce que je suis en game mode 1, quoi. Enfin, normalement... Ah, mais non, vu que c'est des instant steel, on peut pas mettre rallongé, mais... Par exemple, vous prenez des potions de résistance au feu. Je me fais le complètement moi. Enfin bon, si vous prenez des potions de résistance au feu, vous pouvez et les mettre 2, puis après vous pouvez les rallonger, donc pour qu'elles durent plus longtemps et qu'elles soient plus résistantes quoi. Et donc voilà, c'est sûr, c'est
cette petite fin d'explication que je vais terminer ce tuto. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine. Allez, bye bye.